Ici Goldigger pour vous, bienvenue dans les Chaveverse pour la vidéo du vendredi avec Xur à la tour. Et ils vont pas des choses exceptionnelles hein, aujourd'hui, j'ai regardé avant, j'ai fait mon petit curieux quand même. Ils vont pas des choses exceptionnelles, rien d'exceptionnel. Le casque de la lumière intérieure que vous connaissez pour le Titan, qui existe depuis longtemps et qui a pas été vendu depuis longtemps aussi d'ailleurs pour le Titan. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ce casque, hein. Assez utile en PVP dans le sens où avec les effets de mort venue du ciel, hein, simplement vous sautez au moment où vous faites une onde dévastatrice, vous pouvez éviter des dégâts, mais pour autant vous n'êtes pas invincible. Le rôdeur nocturne que j'aime bien à la base parce que il a un pistolet d'or qui fait 6 fois plus de dégâts, alors c'est bien pour les boss, par contre c'est clair que si vous voulez faire des orbes de lumière c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, votre énergie de super restaurée lorsque vous tuez un ennemi avec une grenade. Et vos gains d'énergie de super augmentent lorsque vous tuez des sbires des ténèbres. Donc, en dehors de ça, pour avoir son super, par contre, il est bien. Il est bien, vous avez votre super assez facilement. Le voile d'apothéose, que j'aimais beaucoup et que j'ai énormément utilisé pour Cropta, puisque vous récupérez des points de vie quand vous ramassez une orbe. Vos points de vie sont régénérés lorsque vous activez votre super, donc rien à dire. Et les attaques de mêlée régénèrent l'énergie des grenades, pardon. Voilà, donc le Finisterrae, rien à redire avec le Finisterrae, je pense que là vous êtes au courant, vous connaissez le Schmilblick. Les engrammes exotiques que personnellement je vais tester, je vais essayer d'en prendre un ou deux, voire trois, pour voir si on peut avoir des nouveaux torses. Et puis à part ça, rien du tout. Voilà, je vous laisse donc regarder si vous le voulez ce que je vais avoir dans les engrammes exotiques. Je vous dis à la prochaine, en attendant, amusez-vous, prenez soin de vous, et ciao, bye bye. Mission de récupération, cratère Rhea Silvia Vesta. Les sbires de Cropta sont retournés au-delà dans la nuit. Il va falloir attendre. Les neuf soyens. Vous vêtir, se couvrir. Peut-être serai-je encore ici à votre retour. Cropta était un dieu, mais même les dieux. Nouveaux engrammes. Je ne sais pas. Soyez prudent. J'espère que ça vous sera utile. Je suis toujours ravi de vous voir. Le voile d'apothéose que j'aimais beaucoup et que j'ai énormément utilisé pour Cropta, puisque vous récupérez des points de vie quand vous ramassez une orbe, vos points de vie sont régénérés lorsque vous activez votre super, donc rien à dire. Et les attaques de mêlée régénèrent l'énergie des grenades, pardon. Voilà, donc le Finisterrae, rien à redire avec le Finisterrae, je pense que là vous êtes au courant, vous connaissez le Schmilblick. Les engrammes exotiques que personnellement je vais tester, je vais essayer d'en prendre un ou deux, voire trois, pour voir si on peut avoir des nouveaux torses. Et puis, à part ça... Ici Goldigger pour vous, bienvenue dans les Chaveverse pour la vidéo du vendredi, avec Xur à la tour. Et ils vont pas des choses exceptionnelles hein, aujourd'hui, j'ai regardé avant, j'ai fait mon petit curieux quand même. Ils vont pas des choses exceptionnelles, rien d'exceptionnel. Le casque de la lumière intérieure que vous connaissez pour le Titan, qui existe depuis longtemps et qui a pas été vendu depuis longtemps aussi d'ailleurs pour le Titan. Je sais pas quoi vous dire par rapport à ce casque, hein. Assez utile en PVP, donc rien du tout. Voilà, je vous laisse donc regarder si vous le voulez.
ce que je vais avoir dans les engrammes exotiques. Je vous dis à la prochaine. En attendant, amusez-vous, prenez soin de vous. Et ciao, bye bye. Les sbires de Crocta sont retournés au-delà dans la nuit. Il va falloir attendre. Les neuf soyens. Dans le sens où, avec les effets de mort venue du ciel, hein, simplement vous sautez au moment où vous faites une onde dévastatrice, vous pouvez éviter des dégâts, mais pour autant vous n'êtes pas invincible. Le rôdeur nocturne que j'aime bien à la base parce que il a un pistolet d'or qui fait 6 fois plus de dégâts, alors c'est bien pour les boss. Par contre, c'est clair que si vous voulez faire des orbes de lumière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, votre énergie de super restaurée lorsque vous tuez un ennemi avec une grenade. Et vos gains d'énergie de super augmentent lorsque vous tuez des sbires des ténèbres. Donc, en dehors de ça, pour avoir son super, par contre, il est bien. Il est bien, vous avez votre super assez facile. Était un dieu, mais même les dieux. Nouveaux engrammes. Je ne sais pas. Soyez prudents.